Bonjour, nouvelle leçon dans le thème Corps humain et santé. Nous abordons le chapitre sur les micro-organismes et la santé. Deux types de relations entre l'être humain et les micro-organismes que nous allons replacer dans les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Des relations avec des agents pathogènes qui peuvent avoir une très grande importance en santé publique en France comme au niveau mondial car ils sont responsables de potentiels flambées épidémiques. Nous le constatons actuellement avec ce nouveau virus, le Covid-19. Nous verrons un autre type de relation à bénéfice réciproque, de type symbiotique, où les micro-organismes remplissent des fonctions contribuant à la santé de l'organisme. C'est par exemple notre microbiote intestinal. De nombreuses questions se pose concernant ces agents pathogènes. D'abord, comment les maladies infectieuses vont se transmettre à l'échelle individuelle mais également collective et comment se propagent-elles dans le monde et quelles mesures peut-on prendre pour s'en protéger individuellement et collectivement? Nous étudierons deux exemples, l'un au travers du virus VIH qui a fait parler de lui depuis plus de 30 ans et qui est responsable d'une très grande mortalité et d'une très grande épidémie à l'échelle mondiale. Et nous verrons que d'autres agents pathogènes se transmettent par l'intermédiaire de vecteurs. L'exemple proposé concerne la maladie de Lyme, bien connue des randonneurs, qui serait due à une bactérie transmise par une tique. Le sida. Est un exemple de maladie causée par un agent pathogène, le VIH. Ses cibles sont les cellules immunitaires humaines qu'on appelle les lymphocytes T4. Le virus pénètre à l'intérieur de la cellule, va s'y reproduire en utilisant le matériel génétique de la cellule. Il va ensuite bourgeonner un grand nombre de particules virales qui vont se propager dans d'autres cellules et ainsi envahir l'intégralité de l'organisme. Il y a plusieurs modes de transmission du virus, par contamination sexuelle et on a vu l'intérêt de l'utilisation du préservatif, par contamination mère-enfant pendant la grossesse et pendant l'allaitement dans le cas d'une maman séropositive, et par contamination par des instruments souillés par le sang et non stérilisés. Pourquoi faut-il se protéger du VIH Parce que la contamination est importante à l'échelle de la France, mais également mondiale. Plus de 37 millions de personnes vivent avec le VIH. 75% seulement le savent. Et un grand nombre de personnes meurent sans traitement. Comment passe-t-on de l'infection par le VIH au sida C'est une évolution très lente et le sida est la phase ultime de l'infection au cours de laquelle un, un ensemble de maladies dites opportunistes, provoquées par des agents microbiens ou des cancers, profitent d'un affaiblissement du système immunitaire. Les traitements existants permettent de prolonger la phase asymptomatique qui dure plusieurs années. Il faut donc se protéger, se faire dépister éventuellement et se faire traiter le cas échéant. L'ensemble de toutes ces mesures constitue la prophylaxie. Nous allons rassembler dans un schéma l'ensemble des différentes étapes qui conduisent à une épidémie et voir comment nous pouvons stopper le développement d'un agent pathogène à transmission directe tel que le VIH. L'agent pathogène va infecter un homme qui va constituer l'espèce réservoir. Cet homme, au contact d'autres personnes, va transmettre le virus qui va se reproduire dans l'individu qui devient un hôte. Le malade infecté développe des symptômes. À son tour, il peut transmettre le virus à d'autres personnes par l'air ou par l'eau. Et ainsi de suite. Et nous voyons alors que nous pouvons arriver à une épidémie quand la population est infectée rapidement, en grand nombre. Pour éviter cela, des connaissances et des recherches scientifiques vont permettre la mise au point de mesures d'hygiène, de protection et de vaccination. Des mesures barrières pour empêcher la propagation du virus. Ce peut être un préservatif dans le cas du virus VIH, puisqu'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. Cela peut être également un masque pour éviter la propagation de virus aériens. L'hygiène passe par des mesures de lavage de mains, tout simplement. Toutes ces mesures permettent de lutter individuellement et collectivement et forment la prophylaxie. Ceci conduit à l'absence d'épidémie au sein d'une population.